Françoise Boivin du NPD, Steve McKinnon du Parti libéral, Luc Anger du Parti conservateur, Philippe Boilly du Bloc québécois et Guy Dostolé du Parti vert ont présenté et défendu leur point de vue sur certains enjeux régionaux comme le port du niqab et le logement social. Une centaine de citoyens présents à la salle Vidéotron étaient intéressés à ce que les candidats avaient à dire. Quelques rires et des blagues ont été aussi échangés lors du débat. Voici une dernière question. Les sénateurs ou les Canadiens? Yeah. Merci beaucoup. Je pense qu'on les applaudit. Ou contre le port du niqab? Ou contre? Concernant le port du niqab, tous les partis présents sont contre, sauf M. McKinnon du Parti libéral, qui appuie le port du voile intégral lors des cérémonies de citoyenneté. On est pour un état de droit, on est pour un état de liberté, on est pour les cours et le rôle d'un parlementaire et d'un politicien à injecter de la haine, effectivement, dans un discours politique. C'est un arme de distraction passive, comme dit le chef de Madame Boivin. Le Bloc québécois, de son côté, espère pouvoir aussi interdire le port du niqab pour les employés de la fonction publique. Mais on peut le porter à titre personnel, mais quand il s'agit des services publics ou bien de prêter serment, comme la cérémonie de citoyenneté par exemple, pour ma part, je pense que c'est important de prêter serment quand même à visage découvert. Il y a même eu une dispute entre Mme Boivin et M. McKinnon au sujet du logement social et du logement abordable au Québec. On était tout le caucus ensemble. On s'est assis par division dans les différents secteurs et j'étais même la vice-présidente du caucus au niveau du développement des mesures communautaires. Les autres candidats tentent de déloger Françoise Boivin du NPD. Aux dernières élections en 2011, la députée sortante avait été réélue avec la troisième plus forte majorité au pays, soit plus de 61% des voix. Ici Liban Soudan pour le Collège La Cité, Gatineau.